Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Gran Turismo 7 pour la Daily Race A sur le circuit de Deep Forest. On est en GR4, on va être parti pour 5 petits tours, pas d'arrêt au stand, on est en pneu dur. J'ai choisi de prendre la Mitsubishi parce que voilà, même si la Lamborghini est beaucoup plus à l'aise dans les virages sur Deep Forest, voilà, j'ai une tendance pour la Mitsubishi parce que je me sens un peu plus à l'aise et en plus en sécurité avec celle-ci. Et là, Sirocco, je suis pas très très fan. Bref, on va être parti pour 5 tours. Je connais pas encore mon classement au niveau des qualifications. On va découvrir ça ensemble. On se retrouve sur la grille de départ. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai marqué 6ème. On a avec des A+, des A, des B. Bon, bah, il y a un petit peu de tout. Bizarre. Donc, je démarre 6ème. Il y a beaucoup de Mitsubishi, de Bugatti, Nissan, une Porsche, une Lamborghini et une Toyota. Et devant, c'est beaucoup de. Il y a une Aston aussi, j'avais pas vu. Allez, on va être parti pour 5 tours. Devant moi, James Neverwit, l'espagnol derrière moi, le Longi, le Suisse. Alors, c'est une course Daily Race qui ne compte pas pour le rang pilote, je crois, pour le rang fair play, oui. On va essayer de faire ça bien. Allez. La Mitsubishi qui a que 5 vitesses, hein, je le rappelle. C'est Manuel qui a fait du drift, ok. Ah, je prends une pénalité. Voilà. Putain. Fais chier la pénalité, merde! Allez, on va essayer de ressaisir en 4 tours, ça va être difficile. Est-ce que je peux récupérer 2 positions pour récupérer une 5ème place? Complètement loupé. Thank you.
j'ai fait de la merde là. J'ai fait énormément de merde hein, sur ce tour. Ah oh, mais... Punaise. Alors, on va entamer le dernier tour. Putain, je l'ai rattrapé. Pourquoi j'ai pas tourné comme ça dès le début? Bon, un septième, c'est pas glorieux, hein. Putain, fais chier, hein. La pénalité qui fait mal. Hein. Bon, septième. Voilà, après avec l'allemand, je sais pas si... je vais peut-être fermer la porte, je sais pas, je vais regarder ça. Bon, on va regarder avec l'allemand ce qui s'est passé. Je joue à la manette, hein, ce soir. Alors, il voit que je commence à tourner, il s'infiltre aussi, mais voilà, je pense que c'est plus un fait de course. Les 5 dixièmes sont vraiment pas mérités pour l'allemand. Je pense que c'est plus un fait de course. De mon point de vue, quand j'étais en vue capot, je pensais vraiment qu'il avait plongé, mais en fait, vraiment pas. Quoi.
On va voir de mon point de vue. Non, ouais, non. Non, c'est un fait de course. C'est pas... Voilà, c'est pas, c'est rien d'alarmant. Alors, comme vous avez pu le voir, ça a été une course plutôt propre, j'ai envie de dire, entre guillemets. J'aurais pu faire un top 5, je pense, très clairement. Mais voilà, le fait que je me suis pris une seconde de pénalité dès le premier tour, ça a été terminé. Et en une si courte période, des tours aussi courts, bah, je ne pouvais pas rattraper. Il aurait fallu peut-être un tour ou deux pour pouvoir rattraper, parce que j'ai rattrapé quand même la Nissan et le Suisse à la fin, mais c'était vraiment le dernier tour, donc ça ne servait à rien. Pour l'Allemand, comme on avait pu voir au ralenti, c'est clairement pas mérité ces 5 dixièmes de pénalité. Certes, moi je pensais qu'il plongeait, mais il n'a pas plongé, il s'est mis à l'intérieur, il a vu un trou, il s'est mis à l'intérieur. Bon, il m'a vu quand même tourner, il s'est quand même mis à l'intérieur. Bon, c'est un fait de course en soi. J'y en veux pas, mais voilà, je suis bien tenté de la refaire parce que je pense que je peux faire beaucoup mieux. La Daily Race UCI, je vais pas la faire, mais parce que c'est le GR1, je m'en fous clairement. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. Il y aura du Forza qui va arriver dans les prochains jours. Je vais essayer de faire du LMU, du ACC et voir peut-être une course ranked en ce restroom, on verra bien. Bref. Sur ce, vous savez quoi faire, hein. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé, faites monter cette chaîne. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.